Et juste il y a 3 ans, et là il arrivera. Team. Ça, tu peux porter l'écran. C'est la croix, tu portes la croix là. Maintenant, fait quelque chose sur le buffet. On a posé les bases du pédalier et du positif de dos. Après, on a commencé avec le soubassement du grand orque. Maintenant, on a posé la ceinture du grand orque. Et surtout, en ce moment, on a monté les 3 sommiers du grand orque. Actuellement, on a fini toute la mécanique. La mécanique pour jouer l'orgue et la mécanique pour les registres. Maintenant, on est en train de poser les poids sur les soufflets, qu'on a l'exacte pression du vent pour
snorkel. Alors là, il ne vous reste plus qu'à faire ça, à poser les tuyaux? Oui, à peu près, oui. Un fin de réglage et après poser les tuyaux. Alors ici, j'ai sorti un tuyau. Il y en a toutes les dimensions, évidemment, des tuyaux. De plus grands vers 5 mètres qu'il y a dans la façade. Jusqu'au petit tuyau, là, j'ai sorti un tuyau plus moyen, petit. Pour montrer au fond en quoi consiste mon travail ici, ce que je fais, c'est de régler les tuyaux, le timbre et la hauteur du son. Ce qui détermine la hauteur du son, c'est à partir d'ici, cette partie-là amène simplement l'air. La partie d'ici à ici détermine la hauteur du son. Un tuyau d'or marche comme une flûte à bec, selon le même principe. L'air arrive par ici, arrive jusqu'à l'endroit où il y a la bouche, et passe par la lumière, la petite fente qui se trouve ici, et l'air vibre comme une flûte à bec, se fend sur la lèvre supérieure, et vibre. C'est après l'onde qui se produit dans cette colonne, qui donne le son. Alors, où je peux intervenir, c'est... À la longueur du tuyau, je coupe le tuyau jusqu'il ait la longueur exacte. Et pour régler finement, je prends des accordoirs, comme on a, de toutes dimensions. Et je peux simplement taper dessus, comme ça, pour accorder plus grave. On voit ici que ça se referme. En se refermant, le son devient plus grave. Ou le contraire, si j'ai besoin du contraire, c'est-à-dire de l'ouvrir, comme on a vu avant. Tout le travail que je fais ensuite... Au niveau de la bouche, ça veut dire plus ou moins monter la bouche, ou bien fermer la lumière, que je peux faire avec un petit marteau comme ça pour fermer, ou bien l'ouvrir en passant une tige à l'intérieur. Tous les travaux que je fais sur le tuyau de cette manière changent le timbre, ça veut dire de cette façon je règle le timbre, plus ou moins clair. Si je coupe au tuyau ou accorde au tuyau, je règle la hauteur, donc c'est l'accord. Ensuite, il y a des tuyaux complètement bouchés qui peuvent être en bois, comme celui-là. Il est bouché par un tampon qu'on peut enlever. Et puis, si je le bouche, il sonne une octave plus bas. Et on peut régler ici en appuyant pour accorder. Donc, je peux régler ici comme je veux, à ce tampon qu'on peut faire coulisser. Il y a également des tuyaux qui sont à moitié ouverts, bouchés ici par cette plaque de métal soudée,
et un tube qui est soudé par-dessus, mais ceci est ouvert, à moitié bouché. Si je bousse ici, on entend le son qui devient plus grave. Pour accorder, je peux bouger un tout petit peu ces oreilles, qu'on appelle ces plaques de métal qu'on appelle oreilles, que je peux bouger ici un tout petit peu. Si je les ferme, le son devient plus grave. Tout petit peu plus aigu. Je peux régler ici en tapant comme ça un petit peu avec une tige. Une autre famille de tuyaux d'orgue marche pas comme la flûte à bec, comme ces tuyaux-là, mais sur le modèle d'une hanche, comme la clarinette ou le saxo. Là, c'est une plaque de métal qui est ici, qui vibre. Si j'aspire, on l'entendra. Alors, l'air arrive par ici. Donc, je ferme ici. L'air arrive par l'intérieur et fait vibrer cette languette, comme on l'a vu maintenant. Pour régler l'accord, je pousse la rasette, ce petit râteau-là, pour modifier la longueur de la languette. Plus c'est court, plus le son devient aigu. Donc je peux accorder ici. Ces tuyaux marchent avec une languette comme une clarinette. C'est cette lame courbée qui vibre. L'air arrivant là, ici, ça vibre. Et je peux modifier la hauteur en réglant ici.